Good morgen. Allez, Ida, le sujet aujourd'hui, le Nishmat, Marlouf, Nicha, Ben Masouda, Rivka, Bat Levi, Yitzhak, Avram, Chen, Urbain, Ben Fortune, Mazal, Dov, Ben Yudit, et Nissan, Ben Mafret. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de deux Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Midot, Perik, Gimel, Mishnah, Bet. Ou Keren Maravit, Dromit, Hayu, Shnei, Nekavim. Kemin, Shnei, Chotamim, Dakin. Shadamim, Hanitanim, Al Yesod, Maravi, Val Yesod, Deromi. Yordin, Bahen, Umit, Arvin, Bahama. Veyotzein, le Nachal Kidron. Dans la Mishnah précédente, on a expliqué longuement la structure, l'architecture du Mizbeach. On avait bien expliqué la taille qu'il faisait, comment il monte, le Yesod, le socle, qui dépasse d'une amas sur une amas, une amas de chaque côté, et puis après ça commence à continuer à monter, après ça rentre encore d'une amas lorsqu'on a le rebord sur lequel on fait le contour du Mizbeach, et ainsi de suite. Maintenant, on va s'intéresser aux petites finitions. D'accord ? Et c'est dans notre Mishnah, et aussi dans la Mishnah Gimel, on continue un peu sur ça. Et dans notre Mishnah, on va nous parler des deux trous qu'il y avait dans le socle du Mizbeach. C'est-à-dire, je vous explique d'abord une notion. Comme on dit dans la Mishnah de Ezo Mekoman Shalzevachim, le matin, ceux qui lisent les Korbanot avant la Tfila, eh bien, on voit qu'à chaque fois, on te dit de donner le sang, le Shnaim Shanachat, verset, mais en tout cas, on finit toujours en disant Veshire Adam Ayashofer Yesod Maharavi ou Yesod Haderomi. Les restes du sang, il fallait les verser sur le socle du Mizbar. C'est-à-dire, lorsque je faisais un korban, eh bien, selon le cas, je montais sur le Kevesh pour mettre du sang sur les quatre coins. Je montais, parfois, il fallait juste asperger du sang en bas. Parfois, il fallait plutôt, pour la Ola, il fallait écraser la volaille contre le misbéach pour que le sang dégouline sur le misbéach. Il y avait comme ça toutes sortes de rituels, de manières de donner le sang. Lorsqu'on avait fini d'asperger le sang comme il fallait, eh bien, il fallait ensuite partir dans ce coin-là, Maharavit, Dromit, Ouest-Sud, ouais, parce que là c'est l'Ouest, là c'est le Sud, donc dans ce coin-là, et verser les restes du sang, il y avait deux trous. En réalité, plus précisément, c'est pas qu'on versait toujours dans le même endroit. C'est que lorsqu'on a versé du sang sur le Mizbeach, ben on doit verser le sang sur le Keren Adromi, sur le coin sud, le trou qui se trouve en fait ici, dans cette partie-là. Et lorsqu'on sort du Kodesh HaKodashim et qu'on asperge du sang à l'intérieur, relativement rare, mais ça arrive, par Elam Devar Shel Tzibur, Ayom Kippour, eh bien on verse le sang sur le Shiren Adam HaShofer HaLesod Maharavi. Regardez dans le Mishnah de Ezo Mekoman Shel Zevachim, vous verrez que le sang qu'on a aspergé à l'intérieur sur la parochet ou sur le Mizbeach Hazav, eh bien on va le verser sur le Yesod Maharavi, sur la partie du socle qui est à l'ouest. Dès qu'on sort, on verse sur le socle qu'on a de face à nous. Et lorsqu'on est monté asperger du sang, eh bien on va le verser de cette fois-ci dans le sang, dans le trou qui se trouve dans le trou dans la partie sud. D'accord? Il y avait deux trous en fait, un qui était sur ce versant et l'autre sur l'autre versant. Voilà pour l'introduction un peu plus détaillée, et puis on fait ça dans les mots. Ouve keren maharavit dromit, et dans le coin ouest-sud, ayu shnei nekavim, il y avait deux trous. Kemin shnei chotamin dakin, qui ressemblaient à deux narines. Deux trous qui tombaient profondément. Shadamim anitanin al yesod maharavi val yesod deromi yordin behen omitarvin bahama. De manière à ce que les sangs qui étaient versés sur le socle, dans la partie ouest, Maharavi, ou bien Valiasod Adéromi, ou bien sur le socle dans la partie sud, eh bien, Yordin Bahen, il dégoulinait là-bas, ou Mit Arvin Bahama, et il se mélangeait dans le ruisseau. Veyotzin Lenachal Kidron, et ensuite il partait se jeter dans la rivière, ou dans la rivière, le fleuve, je ne sais pas, la rivière plutôt, de qui s'appelait Kidron. Et on explique un petit peu mieux ce qui se passe. Il y avait dans la Hazara, il y avait un petit ruisseau qui passait. Dans la Hazara, il sortait du Kodesh HaKodashim, je ne sais pas exactement, j'ai un peu de problème à le situer, est-ce qu'il y en avait plusieurs ou pas, parce qu'on a déjà parlé de petits ruisseaux qui sortent en petits, très fins, qui arrivent dans le Shahar HaMayim. Apparemment, il y en avait un autre, je ne sais pas exactement où il se trouve. Il y avait un ruisseau beaucoup plus conséquent qui traversait la Hazara. Ce ruisseau-là, entre parenthèses, le Tiferet Yisrael l'apporte ici, c'est expliqué longuement dans Psachim. Ce ruisseau-là, c'est grâce à lui qu'on faisait le ménage dans la Hazara.
Il passait, il entrait d'un endroit et il sortait de l'autre. Lorsqu'on voulait nettoyer le parterre de la Hazara, qu'est-ce qu'on faisait? On bouchait la sortie et du coup toute la Hazara se remplissait d'eau jusqu'à ce qu'on ait une bonne dose et puis après on ouvrait et tout sortait avec toutes les impuretés qui étaient dedans, toutes les saletés qui étaient dedans. Et donc ça, c'est pour le petit ruisseau qui passait. Maintenant, en fait, la Mishnah, en fait, les Mefarchim m'expliquent que sous les trous où on versait le reste du sang, eh bien, il y avait ensuite une gouttière qui apportait ce sang dans la Hama, dans ce ruisseau qui passait dans le Beth Amikdash. Et maintenant, vous savez bien, la matière organique, c'est un super engrais. Du coup, c'est Kadosh. Il y a une certaine Gloucha, Midérabanane en réalité. Donc, de ce fait, les trésoriers du Beth Amikdash vendaient ensuite aux agriculteurs qui étaient autour du Beth Amikdash, ils leur vendaient le droit de racheter et d'utiliser justement cette matière organique qui était dans l'eau pour arroser leurs champs. Et comme ça faisait un peu plus, ça augmentait les caisses du Beth Amikdash. On a presque tout dit, sauf un petit détail important, qui est quelque chose qui m'a très souvent dérangé, et je suis très content de l'avoir trouvé, dans le Tiferet Israël. Lorsqu'on versait le sang sur le Yesod, on ne partait pas le verser dans le trou. On le versait sur le Yesod. D'accord? Dès qu'on a rencontré le Yesod, il faut le renverser. Il faut le verser dessus. C'est un trou qui était d'ailleurs pas tellement conséquent pour pouvoir s'amuser à verser dedans. Ouais, c'est aussi compliqué de verser quand on doit remplir la voiture avec un bidon et qu'il faut le mettre dans un petit trou. D'accord? Vous connaissez bien la chanson. Ça tombe de partout. Donc, c'est sûr que le sang, on ne s'amusait pas à le verser dans ce petit trou. Dans ce cas-là, j'ai un problème. Donc, on le verse sur le socle et ça dégouline. Mais comment ça dégouline? Le misbar, il était bien droit, il était parfaitement conçu, il fallait qu'il n'y ait aucun manque. Je ne sais pas si vous imaginez, il devait être parfaitement carré. On apprend la route du carré du tefillin, on apprend du misbar. Si dans le misbar, il y avait on avait déjà appris dans les Mishnah plus haut, je ne sais plus où exactement, mais on avait déjà vu que si toutefois il lui manquait Chagirat Tziporen, il avait une encoche, il devenait invalider le misbar, il fallait le remplir. Donc comment? J'ai toujours eu du mal, comment concrètement on verse sur le socle, alors quoi, ça va dans le trou, comment le sang il connaît la direction? Et le Tiferet Israël, il s'occupe bidouk ici, il suppose, c'est pas forcé, mais comme ça il suppose, qu'en fait non, il y avait un petit rebord réellement, il faisait une amas, mais il y avait un petit rebord qui faisait que le sang qu'il versait, eh bien il avait tendance à partir grâce à ce rebord. Il manque quand même le petit problème de la pente, il faut quand même une pente pour que ça dégouline, sinon ça reste sur place. Là, j'ai plus de réponse sur ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.